Oui, bonjour, mon nom est Christian Siker, municipal des énergies dans la commune de Corcelles-sur-Chavornay, responsable également de l'éclairage public et de l'informatique pour la commune. Donc, nous avons réalisé en 2008 une centrale photovoltaïque sur la toiture de la grande salle. En plus, à la suite, nous avons réalisé aussi un concept énergétique pour la commune. Nous avons mis en place aussi de la thermographie pour les habitants que nous avons distribué à chaque habitant. Et puis, dernièrement, cette année, nous avons subventionné le CECB+, qui est en fait une analyse thermique de chaque bâtiment, donc une subvention de 500 francs pour chaque habitant. Oui, la valeur ajoutée pour ce projet, c'est une sensibilisation à la population, notamment d'avoir cette centrale photovoltaïque juste devant l'école où tous les écoliers les voient tous les jours. On a aussi un passage important sur la route juste devant. Et puis surtout la population, il fallait la sensibiliser. En 2007 et 2008, quand on a mis en place ce projet, les photovoltaïques n'étaient pas comme ça répandues en Suisse. Et il y avait beaucoup de craintes par rapport à l'ensoleillement, par rapport aux grêles. Donc il s'agissait de démontrer finalement que ces inconvénients n'était pas présent sur cette centrale. Le rôle de la commune était très important dans ce projet, vu que c'était un bâtiment communal qui devait être rénové. Donc il s'agit bien entendu à l'exécutif et au législatif de la commune de valider un tel projet. Donc la commune a un rôle très important, et en passant par le législatif, donc le conseil communal qui valide un tel projet, c'est très très important pour piloter un projet comme ça. Un des facteurs majoritaires qui a contribué au succès du projet était une volonté en fait des collègues de municipaux. Il y a aussi une confiance envers moi, qui suis responsable du développement durable pour l'école hôtelière en dehors de mon travail, ayant déjà mené à bien une centrale photovoltaïque du même type quelques années auparavant. Donc les succès, c'est vraiment une solidarité entre les collègues, une confiance et un respect mutuel entre chacun. Je recommande aux autres communes en fait de s'engager sur le développement durable. C'est vrai que c'est une voie qui est assez nouvelle depuis quelques années, mais il faut oser se lancer. C'est des projets qu'on ne connaît pas forcément, mais si on s'y intéresse, on est capable de les mener, et finalement ça fait du bien à la planète, à la commune et à tout le monde, c'est très bien.